Bonjour à tous, je vous présente la réalisation d'un solin au mortier pour faire la jonction entre deux pans de toiture qui ont des hauteurs différentes, la pose de tuiles faîtières n'étant pas possible. Pour obtenir ce résultat, j'ai imaginé un moule en bois qui me donne la forme que je souhaite. Le guidage de ce moule se fait le long de la règle. On appuie sur le dessus et sur le côté de la règle. Cela permet de s'affranchir des éventuels écarts de hauteur. Déjà, les tuiles entre elles et aussi les tuiles par rapport à la tôle en ciment de l'autre côté. Donc petit à petit, je remplis et ensuite je déplace le moule. Le mortier est un mortier bâtard. Il ne faut surtout pas qu'il soit trop liquide ou sinon ça ne tiendra pas. Quand le mortier a commencé à tirer, je peux enlever l'excès qui a débordé. Pour le moment, voilà ce que ça donne. Et je déplace ma règle pour faire la suite. Le moule fait environ 30 cm de long. J'aurais pu facilement le faire à 60 cm. À tester pour une prochaine fois.
Maintenant, le solin est fait sur toute la longueur. Il reste ensuite à faire la finition et lisser le mortier. Donc ce travail est fait alors qu'il fait environ 30 degrés, donc ça tire vraiment très vite. Il vaut mieux prévoir de faire cela avec des températures moins élevées. Cela permet d'avoir plus de temps. Je lisse avec une éponge et de l'eau. Donc le résultat de ce côté et puis ensuite de l'autre. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.